Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Ce matin, je reviens encore vers vous pour vous donner un bon conseil, un conseil d'amis. Vraiment, les frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Si vous ne voulez pas souffrir, ne marchez plus avec les gens qu'un mauvais cœur. C'est-à-dire, les gens qu'un cœur noir. Un cœur vraiment très noir. Mais est-ce qu'on peut l'avoir facilement? La plupart du temps, ces gens-là sont parmi nous. Et ils se jouent aux gentils. Ils se jouent aux gens inoffensifs. Et ce sont tout le temps eux qui sont victimes. C'est-à-dire, dans le groupe, ce sont ces gens-là qui se font passer pour les gens qu'on attaque, les gens qu'on blesse tout le temps. Alors que, quand vous regardez bien l'affaire, vous découvrez que ces gens-là sont vraiment très mauvais. Ils font du mal. Et ils font croire aux gens que ce sont les autres qui leur font du mal. Ils sont cachés là comme ça. En général, on les appelle les sorciers. Mais si je vous dis les sorciers, tout le monde dit, est-ce que ça existe? C'est pourquoi il est passé par terre à terre dans cette vidéo, parce que l'heure est grave. Regardez les empoisonnements qu'il y a au Cameroun, dans certains pays, partout, vraiment. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais comment c'est possible? Comment un ami peut empoisonner un autre ami? Avec quel cœur a-t-il réussi à le faire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est avec un cœur noir que cette personne a pu empoisonner son frère. Récemment, je vous ai expliqué cette histoire où une fille, une jeune fille de 20 ans, une jeune femme de 20 ans, elle allait à la rencontre de son copain. Sans savoir que son copain, ce jour-là, avait décidé de la tuer, couper sa tête pour faire un rituel d'argent. Son copain-là, comment est-il parvenu à faire cela? Ou avec quoi est-il parvenu jusqu'à réaliser cela? C'est avec son mauvais cœur. Son cœur très mauvais. Mais ce n'est pas écrit sur son front qu'il a un mauvais cœur. Ce n'est pas écrit de son visage que son cœur est noir. C'est dans ses œuvres que vous allez le trouver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ne croyez pas à ce que les gens disent de leur bouche. Mais regardez leurs œuvres. À étudier ça en profondeur. Et là, vous trouverez des réponses. Parce que si vous ne faites pas des analyses, si vous n'examinez pas ou testez pas les gens que vous mettez auprès de vous, ces gens-là vont vous attirer beaucoup de problèmes. C'est là où vous vous retrouvez avec des gens que vous aidez. Mais plus vous les aidez, eux vous font du mal en retour. Et puis plus vous les aidez, plus vous enfoncez vous-même. Vous avez l'impression que eux, quand vous les aidez, vous enfoncez plus. En effet, ces gens-là sont là. Ce sont les sorciers, je vous l'ai dit, mais je vous fais utiliser le thème de cœur noir pour que vous puissiez comprendre très facilement, parce que les choses sont là. Quand vous aidez ces gens-là, c'est comme si vous leur donnez l'autorisation de vous faire du mal. Regardez un peu. Quand vous allez en boîte de nuit, si vous êtes déjà allé en boîte de nuit, ou bien, bon, on va prendre un truc simple, déjà regardez un peu ce qui se passe à la maison. Quand une personne se lève un matin pour dire, oh, aujourd'hui je vous offre tous un verre, vous tous, je paye la bouteille de sucrerie, je vous offre tous à boire. Les gens se mettent à boire et tout ça. Après, que se passe-t-il? Une autre personne va quitter au fond, là-bas, pour venir et dire, ah, mon frère, vraiment, tu nous as offert à boire. Hein? En fait, tu as offert à boire mes amis, mais moi, je n'étais pas là. S'il te plaît, offre-moi aussi à boire. Vous allez offrir aussi à boire à cette personne. Après encore, une autre personne va quitter là-bas au fond, venir encore vers vous pour dire, ah mon frère,
Ah, j'étais pas là aussi, hein. Moi aussi, moi non plus, moi aussi, j'étais pas là. Donc, offre-moi aussi à boire. Je vais lui offrir à boire. Une autre personne encore a quitté là-bas pour venir. Il dit, hé, regarde-nous. Ça peut mettre deux personnes. Ah, tu as offert à boire à tout le monde sauf nous. Hé, tu es méchant, tu es méchant. Hein? Donc, le fait que vous ayez offert à boire aux gens là, ça ne c'est pas suffisant pour dire que vous êtes une bonne personne ou que vous êtes gentil. Eux, ils viennent encore. Au lieu de vous aider à payer les factures, eux, ils veulent vous enfoncer. C'est là, ils font quoi? Ils se communiquent des informations. Ils disent que, ah, il a ouvert son cœur, il est prêt à dépenser. Aujourd'hui, là, on le fait saigner. C'est là, ils vont commencer à faire le complot des sorciers. Tout ça, c'est basé sur la sorcellerie, c'est inévitable. Tout ça, là, le mauvais cœur, le cœur noir. Et c'est ça, écoutez bien. Ils vont commencer à faire le complot. Ah, il a décidé d'ouvrir son cœur, il a décidé de payer, il a décidé de saigner. Donc, on va en profiter. Ils vont venir l'un après l'autre pour vous affaiblir financièrement. Si vous n'êtes pas intelligent pour dire c'est bon, ça suffit, le budget est fini, vous allez vraiment par gentillesse, hein, vous allez vous retrouver dans le problème. Et quand vous allez vous retrouver dans le problème, ces gens à qui vous avez offert les boissons, là, eux tous sans exception, ils vont se mettre ensemble. Et ils vont se moquer de vous à tour de rôle. Vous allez dire, mais ah, je marche avec vous, donc c'est comme ça que vous avez des cœurs noirs. Donc c'est comme ça que vous êtes méchant. Vous avez offert à boire, c'est comme ça que vous me récompensez, c'est fini. Vous allez dire, oh, on s'en fout de toi, toute la personne n'a plus rien. Ton argent est fini. Tu vas dire, hein, comment savez-vous que mon argent est fini? Ils vont te dire, on le sait, c'est tout. Ils ne vont pas te dire qu'ils ont un pouvoir des sorciers ou bien un pouvoir qu'ils ont reçu de leur père qui est Satan. Mais ils étaient à côté de toi quand même. En fait, ils étaient là pour te chercher. Et pour voir quelle porte par laquelle ils vont passer, hein, pour pouvoir t'attaquer. Pour pouvoir te sucer. Il se faisait passer pour des gens gentils, des gens bons. Mais c'était de la comédie, il faisait, c'était un jeu d'acteur. Au fond, là, ce sont des démons qui sont là. Ce sont des sorciers. Quand tu décides de faire quelque chose de bon pour toi-même, ils ne te soutiennent pas. Mais maintenant, quand tu réalises là, ils sont fâchés. Ils viennent t'accuser. Ils se commencent à dire, ah, pourquoi toi, c'est à toi seulement te faire plaisir, mais tu ne nous fais pas plaisir aussi à nous. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Dans quel groupe d'amis suis-je entré? C'est pourquoi je vous dis, évitez les gens avec un très mauvais cœur. Les gens qui ont un mauvais cœur, il faut les éviter. Même s'ils ne vont jamais vous dire qu'ils sont des sorciers. Même s'ils ne vont jamais vous dire qu'ils ont un très mauvais cœur, qu'ils sont très méchants, leurs yeux seront là. Moi, j'ai vécu toutes ces choses que je vous raconte. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut les éviter parce que ces gens-là, ils vont vous retarder, ils vont vous faire perdre du temps. J'étais avec des gens, de groupes de personnes. J'étais gentil, très gentil, parce que j'ai un bon cœur. Moi, je ne savais pas que tous avaient un mauvais cœur. Je ne savais pas qu'ils me détestaient au plus haut point, mais je ne savais pas comment ils vont faire. Et j'étais là avec eux. Quand on devait manger de la nourriture, je misais le plus gros budget. C'est moi qui donnais beaucoup, c'est moi qui achetais pratiquement tout. Je faisais tout, on était bien. Mais c'est toujours pas que ces gens-là avaient un mauvais cœur contre moi. On était là. On faisait pratiquement tout. Je les envoyais des unités, des recharges. Qu'ils puissent appeler quoi. Genre, si vous avez vous, si vous, genre, quand, si vous, vous avez des difficultés pour m'appeler parce que vous n'avez pas d'unité, moi un bon gars, moi quelqu'un qui est gentil, je vous envoie une unité. Pour que vous puissiez m'appeler. Même si j'ai peu d'argent, même si j'ai peu, avec le peu que j'avais. Et c'était comme ça. Je me sacrifiais même pour mes proches, pour les uns et les autres parce que je me disais que vraiment,
je peux pas être là comme ça. J'ai un peu d'argent tandis que les autres ont faim. Mais je ne savais pas que c'était juste un complot qu'ils faisaient. C'était juste semblant, ils faisaient semblant de n'avoir rien afin de pouvoir prendre, afin de pouvoir me soutirer le peu que moi j'avais. Même le peu que vous avez là, ils vont tout faire pour sucer ça. Ce sont des gens qui sont très méchants. Quand je dis très méchants, vraiment, je ne mâche pas les mots. C'est la vérité, ils sont mauvais, ils sont maudits à même. C'est à cause d'eux-mêmes là que le mot maudit a tous ses sens. C'est-à-dire, gens maudits. Parce qu'ils nous. Et puis, non, c'est pas possible. Comment moi, j'ai su que ces gens-là avaient un mauvais cœur? Un jour, je me suis retrouvé dans les problèmes. Au lieu de venir m'aider, au lieu de se cotiser, au lieu de m'aider, qu'est-ce qu'ils font? Chacun m'appelle et se moque de moi. Ils disent, ah, tu n'as pas dit que tu es fort. Tu n'as pas dit que tu es fort. Et ils commencent à rire. Ha. Il dit, attends, avec qui je marchais durant tout ce temps? Pendant plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, ils étaient avec moi. Je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'ils sont en train de me faire, leur visage est découvert. J'ai été choqué. C'est ce jour-là, j'ai dit vraiment, je ne vais plus jamais m'accrocher à l'être humain encore. Je ne vais plus jamais m'accrocher à l'être humain. Ouvrir mon cœur pour l'homme encore. Non. C'est fini. C'est rare. Non, c'est plus possible. Parce que j'ai aidé les gens avec mon bon cœur. Et mon. Attaquer avec leur mauvais cœur. Ils m'ont fait souffrir. Vous avez de l'argent. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Mais vous me dites que vous n'avez rien. Afin que moi, comme j'ai un bon cœur, je puisse encore utiliser le peu que j'ai pour vous donner. Quoique, ça, c'est quel genre de méchanceté, ça. Vous êtes avec des amis, vous marchez avec des amis. Toujours, c'est vous qui dépensez. Si vous avez remarqué ça, sortez du groupe. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Hein. Parce qu'on finit de bouffer votre argent et puis encore vont vous empoisonner pour mettre des sujets. C'est à la mode, non. Faites attention. Vraiment, c'est grave. Vous pouvez épouser une jeune femme. Vous dites que vous êtes devenu votre femme. Vous payez tout, du début jusqu'à la fin. Vous vous mariez, vous êtes ensemble, tout, 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 tout. Elle vous observe, elle regarde bien. Dès qu'elle sent que vous avez confiance en elle, qu'elle connaît les informations de vos codes bancaires et tout ça, là, vous allez voir son vrai visage. Et un bon matin, elle va dire qu'elle ne veut plus rester avec vous, elle veut divorcer, elle va commencer à trouver des excuses. Et tout ça, c'est parce que elle espère à ce que on lui donne la moitié de vos biens, sinon tous vos biens. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qui se passe? Les femmes d'aujourd'hui, la plupart sont des sorcières. Vous allez travailler dur pendant plusieurs années. Elles, en un instant, elles vont venir tout prendre. Tout racler. Donc, elles avaient un mauvais cœur depuis très longtemps, mais elles étaient à côté de vous. Maintenant, vous qui avez réussi à acheter une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons, maintenant vous êtes amené à dormir dehors. Parce qu'on vous a chassé de votre maison pour dire non, allez, allez-y. Vous n'êtes plus. Vous avez divorcé, tout ça, ça arrive à votre femme. Elle n'est même pas fichue même de vous donner ne serait-ce qu'un endroit pour dormir. Une seule maison. Elle ne dit pas non, bon écoutez, c'est vrai, ça a été quand même mon mari, je vais lui laisser une maison. Elle ne dit pas ça, hein. Elle racle tout. Et puis elle passe dans la route, sur la route, mais elle vous voit dormir comme un SDF. Et puis elle vous regarde comme ça. Et puis elle se moque de vous en disant, tu n'as rien vu encore. Hey! Hey! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut vraiment que je vous parle ce matin, sérieusement. En vous disant que là dehors, il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils se présentent comme de bonnes personnes, des gens gentils. Ils se jouent les victimes. Mais ce sont des gens très méchants. Que cela soit un signe ou des signes pour vous. Pour leur permettre de les reconnaître. Sinon, vous n'allez pas croire. Vous ouvrez votre tête comme ça pour dire, hein?
Que c'est comme ça l'homme est mauvais. C'est comme ça l'homme a un cœur si noir. Voici un blanc qui est venu épouser une fille noire. Et elle lui disait, ah, chérie, si tu m'aimes, mets telle maison en mon nom. Mais chérie, si tu m'aimes, mets tel terrain que tu as acheté en mon nom. Lui aussi, il l'aime. Il s'est dit que les deux sont mariés et qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, tout ça, ça va rester en famille. Jackie, en bas là, elle préparait de lui prendre tous ses biens. Finalement, le blanc est resté dehors. Il est resté dehors. Il fait une vidéo. Il nous dit, écoutez, voici ce que ma femme a fait. Voici ce que ma femme a fait. J'ai regardé ça. J'ai regardé tout ça. Et je me suis dit vraiment, moi, je ne suis plus prêt pour me marier. Je ne suis plus prêt pour me marier, quoi. Sinon, au pire des cas, si je dois me marier encore, si je dois épouser une femme, ça sera celle-là qui est gentille et qui a un bon cœur. Celle-là même qui a plus d'argent que moi. Là, si elle vient sur moi, là, si elle vient vers moi, normalement, c'est qu'elle m'aime vraiment. On dit aime celle que tu aimes, mais n'aime pas celle que. On dit aime celle qui t'aime, voilà, aime celle qui t'aime, mais n'aime pas celle que tu aimes. Celle-là, si elle vient vers moi, elle est plus riche que moi, mais malgré ça, elle vient vers moi. Elle me fait sortir de la pauvreté pour m'envoyer un nouveau. C'est celui-là, même si je ne l'aime pas, je vais forcer mon cœur à l'aimer. Ouais, je vous assure. Parce que toutes les filles que moi-même j'ai kiffées, je suis allé vers elles, causer, on était ensemble. Elles étaient des escrocs, des sorcières. Moi, elles font du bien, elles me font du mal en plus. Oui. Elles me font du mal en dessous. C'est la vérité. Pensez-y. Je dis, ouais, ça là, là où ça arrive là. Je pense que je suis plus prêt pour épouser une fille qui est pauvre. Je vais épouser une fille qui est plus riche que moi et qui a fait quelque chose pour moi. C'est-à-dire qui a travaillé dans ma vie. Me fait sortir de la pauvreté pour m'amener à la gloire. Une personne par qui tu es passé. Une personne pareille, quand je vais la regarder seulement, je vais dire vraiment, cette fille-là, elle a vraiment travaillé. Cette femme, elle a beaucoup travaillé. Respect. Parce que moi, j'ai travaillé sur certaines filles. Elles ne m'ont pas rendu en retour. Elles n'ont fait que détruire ma vie. Me créer des problèmes. En plus, elles étaient des sorcières. La plupart des filles que vous regardez dehors, là, en fait, mes filles foutent beaucoup d'elles. Il y en a qui a beaucoup de sorcières derrière d'elles. Aujourd'hui, grâce à Dieu et tout ce que j'ai vécu, hein, de la part de ces méchantes personnes, je sais aujourd'hui qui est qui dans le pays là, qui fait quoi, quels sont les signes, par quoi on peut les reconnaître facilement. Si aujourd'hui j'ai résolu de ne plus rien à voir avec une fille pauvre, c'est pas pour rien. Parce que non seulement elles sont pauvres, vous dites que vous allez venir les aider à quitter la pauvreté pour les amener en haut. Elles ont dit que non, nous on aime la pauvreté, on aime rester là où on est. En plus de ça, si tu essaies, toi maman te remet dans la pauvreté, tu vas rester là où on est. C'est-à-dire, elles refusent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui refusent de quitter la pauvreté? La pauvreté, déjà, c'est la sorcellerie. Les gens ressemblent la sorcellerie et ils refusent de quitter le royaume des ténèbres. Ils refusent de quitter le royaume des sorciers. Ces gens-là sont remplis dehors. Vous avez beaucoup d'amis, vous avez beaucoup d'ennemis. C'est comme ça que le monde est en train de devenir. Les gens empoisonnent, les gens baptisent du soir. Faites vraiment très très attention à ce qui se passe. L'homme est mauvais. Avant d'épouser une femme, prenez le temps. N'arrêtez pas une fille dans la rue en lui disant, oh toi tu es jolie, je t'aime, je t'apprécie, je vais faire ta connaissance. Non. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Tu vois une fille à distance. Tu
vois une fille à distance, tu vois qu'elle est belle et te plaît. Mon frère, va prier. Va consulter. Va prier. Demande à Dieu qui est cette fille en question. Qui elle est. Quelle est sa famille. Est-ce que dans la famille, dans sa famille là-bas, là, il y a des démons ou bien des sorciers. Est-ce qu'elle-même n'est pas une sorcière par hasard. Qui est, quel est son état d'âme. Tu dois savoir tout ça avant de t'approcher d'elle plus tard pour dire vraiment, j'aimerais faire ta connaissance. Tu dois mener tes enquêtes pour ne pas être déçu. Parce qu'il y a des femmes, c'est dire, certaines femmes là, quand elles rentrent dans votre vie, elles rentrent dans votre vie pour vous détruire. Parce qu'elles sont possédées, elles sont des sorcières à base. Elles ont déjà 8 gars. Mais quand vous allez poser la question, mais est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie à vous dire, elle n'a rien. Elle n'a personne dans sa vie, sinon elle ne serait pas encore chez ses parents. Alors qu'elle a 8 gars. Vous allez venir dire, ok, il n'y a pas de souci, moi je vais être avec toi. Il fait du sérieux. Elle va dire, ah bon, sérieux. Elle va ramasser tous ses problèmes pour mettre ça sur vous. Elle va commencer à mentir, inventer des histoires bizarres pour pouvoir vous soutirer votre argent. Votre agent va prendre là. Elle va donner un peu à ses gars. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Oh, l'homme est méchant. Je vous parle de quelque chose. Vous avez 8 ciels, même 10 ciels, mais vous n'avez pas au courant. Le monde est méchant. C'est ce qu'on appelle les gens avec un mauvais cœur. Évitez les gens qui sont méchants. Très méchants. C'est par les yeux que vous allez le reconnaître. Maintenant, affaire d'amour, dit, oh, je l'aime, mais je l'aime. Enlever affaire d'amour là, dans votre tête, allez là. Enlever ça dans votre cœur. Il faut vous concentrer sur ses œuvres. Ça passe ou ça ne passe pas. Elle te fait du mal, tu vois. Elle te trompe devant toi, mais tu dis, Dieu a demandé de pardonner, il faut que je lui pardonne encore, mon ami. Si elle t'a trompé une fois, et elle vient te demander pardon. Et elle va te tromper encore deuxième fois. Et elle vient te demander pardon. Mon frère, cette affaire-là, il faut lui dire, ma chérie, tu es belle, tu es jolie, mais parce que le gars avec qui tu me tombes, c'est ton mari. Hein? Moi, vous me laissez tranquille. Je ne vais pas mourir jeune. Mon cœur, là, c'est fatigué de battre. Je suis désolé, je ne vais pas voir tout ce qu'il y a dans le pays, là. S'il te plaît, reste chez toi. Et puis pleure. Non, vraiment, je t'aime beaucoup, mais vous partez. Pardon, je veux vivre. Parce que elle est là pour te faire souffrir et perdre ton temps. Et perdre ton temps. Le temps que tu vas prendre pour lui parler des choses qui n'ont aucun sens. Tu peux pas ça pour avoir une belle idée qui va monter une entreprise, qui va donner des milliards d'euros. Eh bien oui, marchez avec de bonnes personnes. Aujourd'hui là, marchez avec ceux qui vous donnent beaucoup d'amour. Voilà, si vous voulez trouver les bonnes personnes, trouvez les gens qui vous donnent beaucoup d'amour et non ceux à qui vous donnez. Si vous savez que vous avez un cœur et que vous avez votre main facile, vous donnez facilement. Ce que je vais vous dire, évitez les gens qui viennent pour vous demander de l'argent chaque jour. Mais vous pouvez demander des choses. Ceux qui ne vous apportent rien, là, il faut les garder à côté de vous. Ceux à qui vous donnez tout le temps. Et puis vous sentez que vous vous sentez mal parce qu'ils vous plaisent encore, messieurs. Il faut les éloigner de vous. Nous sommes en 2022. On n'est pas en 2021. Il faut les éloigner. Je vous parle de quelque chose. Et marcher avec les gens qui, même pour acheter un truc, qui sont prêts à se cotiser afin qu'on puisse acheter la chose. Ils unissent la force. Marcher avec les gens qui marchent, qui fonctionnent comme les 5 doigts. Les 5 doigts sont sur la main là. Quand on dit que, quand celui qu'elle a dit, ah, j'ai faim, le doigt qu'elle a dit, bon, j'ai envoyé ma part, l'autre ici, ma participation, après participation, tout le monde voit et puis on forme la force pour donner un coup de poing au diable. C'est de ça qu'il s'agit. Marchez avec les gens qui sont prêts à s'unir pour vous soutenir. Ceux qui vous apportent de l'amour. Oui. Malheureusement, ces gens ne sont pas aussi nombreux, hein, surtout en Afrique. Je ne sais pas encore aller chez les Blancs, chez vous là-bas, je ne sais jamais encore aller là-bas. Ce n'est pas comment vous êtes là-bas, mais c'est que le diable est partout. Le Dieu, d'abord, il nous dit que le mot est sur la personne du diable, hein, sur la personne du malin, le mot diable. Faites attention. En tout cas,
fallait que je vous parle parce que beaucoup de personnes gentilles se trompent. Et il y a beaucoup de personnes gentilles qui sont malheureusement aussi de mauvaises personnes. Je vous le dis en même temps, quand vous êtes gentil et que vous avez un bon cœur, vous allez attirer les gens qui ont un mauvais cœur. Mais c'est à vous de faire le tri, d'identifier, de faire le tri. Enlevez-les tous. Vous allez finir par vous rendre compte que marcher sur le même, c'est mieux. Ça fait moins de problèmes, moins d'histoires, moins de gourmets. Moi, elle est là. Moi qui avais beaucoup d'amis dans la vie réelle, je n'ai plus personne comme ami, quelqu'un avec qui cause. Et je réussis. Je suis à l'aise. Le fond me souffle. Maintenant, vous que je ne vous vois pas, qui êtes sur l'Union sur le bon ici, c'est vous qui êtes devenus mes amis virtuels. Restons toujours des amis virtuels comme ça. C'est mieux. On va se dire les vraies choses. Parce que quand on se rapproche là, le démon peut entrer. Donc, restons tout en distance. Soutenons-nous vivants et puis allons de l'avant. Maintenant, comme vous êtes déjà sur le terrain, forcément vous avez des entourages et tout ça. Moi, je vous donne ce conseil-là. Faites attention. Évitez les gens avec un très mauvais cœur. Ce qu'on appelle chez nous le cœur noir. Le cœur noir. Ce que vous tenez ça bien. Au départ, ils sont gentils et ils se jouent les victimes. Mais ils ont un cœur noir. Ils ont un cœur noir. Allez voir qui a un cœur noir autour de vous. Et puis, faites le ménage. Wow, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir l'Union sur le bon, dans la description de tous mes liens, où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire, l'Union sur le bon 3. Agrégation sur le bon, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir l'Union sur le bon 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.